Je suis séparée, Kamel Belghazi, demain nous appartient, solo, il évoque ses filles comme rarement. Révélé dès le début des années 2000, Kamel Belghazi est devenu un visage incontournable du paysage sériel français. Après Navarro, Sous le soleil, Une famille formidable ou encore Section de recherche. L'acteur endosse aujourd'hui l'un des rôles principaux de la série Demain nous appartient. Diffusée sur TF1. Particulièrement fier de son métier et de son parcours, l'homme de 52 ans n'hésite pas à emmener sa petite famille sur les tournages. Notamment pour leur faire découvrir son univers et, pourquoi pas, donner envie à ses filles de suivre la même voie. Dans un entretien accordé à Télé 2 Semaines et publié le samedi 10 décembre 2022, le comédien s'est d'ailleurs confié sur son rôle de papa, aujourd'hui séparé de la mère de ses deux filles. Il met cependant un point d'honneur à maintenir un lien très fort avec ces dernières. Aussi, c'est avec enthousiasme qu'il a récemment décidé de les emmener sur le plateau de tournage de la série, afin qu'elles puissent voir leur papa travailler. Mais cette activité n'a pas eu l'effet escompté sur l'une d'entre elles. Point. Je suis séparée, et j'avais mes filles avec moi aux vacances de la Toussaint. Je les ai emmenées sur le tournage. Mila a adoré, mais Sophia a trouvé ça ennuyeux, a-t-il raconté à nos confrères. Stylo Diva place Holdé à 1 et à 1, 8-300px. Minimum et 250px, at Media Screen End, minimum 8.990px, div. À place Holdé à 1 et à 1, 8.620px, minimum et 350px, style. Dépité, la fillette n'a pas manqué de faire comprendre à son père qu'elle n'appréciait pas particulièrement sa journée. Papa, je m'ennuie est la phrase que j'ai le plus entendue. Moi qui pensais qu'elle allait trouver mon métier passionnant, a-t-il conclu en riant. Il faut dire que celui qui campe le rôle du docteur William Downey a un peu de mal à cerner les occupations et préoccupations de la nouvelle génération. Interrogé par Téléstar en octobre dernier, le papa célibataire a notamment exprimé son incompréhension face aux questions sentimentales de ses filles. Je dois être un peu old school. Jamais je n'aurais demandé à mes parents de faire dormir une copine à la maison. Mais les mentalités évoluent. Il faut s'adapter, déclarait-il alors aux médias.